Je répare tout, je m'en fous. Il n'y a rien à réparer, enfin pratiquement rien, mais bon. Ok, papapam. Donc du coup, on a bien les archives du duc dans ce coin-là. Sachant que je ne me suis jamais spécialement renseignée sur Dark Souls, hein, précisons. Mais simplement, je suis tombée une fois, enfin j'ai vu plusieurs fois les streams d'Exerve, et je sais qu'à un moment il a été dans les fameuses archives du duc, et jusque-là j'avais jamais réussi à aller dedans. Donc forcément. Voilà. Avez-vous vu Gabi en short au Stunfest? Mais enfin, Gabi n'a pas besoin d'être au Stunfest pour être en short. Oui, bon, après. Oula. J'ai cru voir une flèche. Ouh, salut. Vous allez bien? Permettez-moi de vous tuer, s'il vous plaît. Enfin, peut-être. Oh, putain, ils sont costauds, les mecs. Ils sont costauds, les balèzes. Mais c'est quoi cette histoire? Oh la vache. Mais calmez-vous. Putain, ça fait des trucs roses quand je les tape, quoi. Grosse ambiance. J'ai failli me suicider toute seule. Oula. On va rigoler. Ok, qu'est-ce qu'on a à voir dans le coin? Salut, comment allez-vous? Oh là! J'ai entendu un petit bruit sympa de mec qui lance des sorts. C'est-à-dire qu'on va avoir droit à la petite danse sympa du mec qui lance des sorts. Et ça, c'est cool. Oula! Oula! Je suis pas rassurée. Bizarrement. Ouais. Ah oui, il est derrière, ok. Oh la vache. Merde, oui, bon, bien sûr. Super. Quelle ambiance. Oh là là. Je le sens pas. C'est quand je t'ai vu t'éclater sur les condenseurs que j'ai craqué. Ouais, je me suis un peu. Je me suis un peu lâché. Je suis sûr qu'il est en slip. Je ne m'avancerai pas sur la question. Ok, donc là, du coup, on va directement passer au stade où on en a rien à foutre, on se barre! Et on fonce sur le mec qui danse. Eh bien, bon transfert dans ton lit, Remnite. Et puis des zoomies. Mais ouais, le Stunfest c'est une ambiance, c'est un truc cool. On essaie de voir avec la Team Perler si on voudrait pas. Si on voudrait pas essayer de se monter un petit truc pour l'an prochain. Tout le monde va se calmer. Ah non, c'est pas le moment! Aïe, putain. Ah! Ça c'est ta faute, connard de téléphone. Craquer dans le sens d'un coup, Initia a envie de venir au stun. J'ai une proposition, un JUT. Qu'est-ce que c'est que ça? La déconcentration illustrée dans Dark Souls, exactement. Non, mais il faut dire aussi que je suis pas très très douée non plus. Ah, t'as pleuré! Mais non, faut pas pleurer! Faut pas pleurer! Faut pas pleurer, enfin. Et vrai, en vrai, franchement, cette musique-là, je me suis dit, si il faut qu'à un moment j'arrive à faire la fille folle, je savais que c'était sur cette musique-là, donc à savoir la deuxième musique de NecroDancer, parce que c'est ma musique préférée, tout simplement. Mais jusqu'au dernier moment, j'étais même pas sûre que j'allais le faire ou pas, en fait. Youhou! Salut! Comment allez-vous? Salopard! Ok, il s'est TP. Quel enfoiré. Pardon? Tu ne mourras pas. Pourriture communiste. Il y a des bouquins qui volent. Ça veut rien dire. Ok, papapam.
D'où qu'il est, l'enfoiré qui me tire dessus. Il s'est mis en haut, je crois. Non je crois que je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Ok, tentons notre chance dans les escaliers. Et visiblement, ça a l'air de venir plus ou moins de par là-bas. Ah ouais. Putain, l'enfoiré. Il est où? Où est-ce qu'il est allé? Ah, ici. Visiblement. Je l'ai eu. Ah, il est mort. Die, potato. Not today. Putain, il y a même rien à ramasser sur son cadavre, quoi. On s'est fait enfler. Un jour, j'irai au Stunfest pour faire un concert avec Colette. Rimmer me dira fais péter et Pierre de Vernal rigolera comme toujours. Je ne sais pas, ils étaient pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe des trucs bizarres ici. Moi, j'ai pris mes billets 3 jours avant le stun. C'est quand que tu viens faire un apéro speedrun avec la team Perleur quand j'aurai du temps? JUT, c'est le méca principal de Zone of the Ender, voyons. Ah ben, je ferai ça un jour quand j'aurai... Allez, si j'ai assez de perles, si c'est pas trop grand. Bon, ça y est, vous avez déballé les cartons, le vidéo pro. Exactement, mais le vidéo pro n'est plus dans la même pièce. Incroyable, mais vrai. Et sinon, ouais, il nous reste une pile de cartons encore. Qui êtes-vous? Ouh la vache. Comment on fout des petits coups d'estoc déjà? Je crois que j'ai fait une connerie. Il va m'attaquer et je vais avoir mal. Je sais pas qui tu es, mais tu es fort sympathique. J'aime beaucoup ta tête. Tu me files pas un petit cadeau pour que je sache qui tu es? Enfin, il y était pas. Si, ils y étaient, mais ils étaient pas là pour. Putain. Fais péter les humanités! Salope! Ah non, la titanite scintillante et la titanite bleue. Bon, bref, ça marche aussi. Si, ils étaient là, mais je veux dire, ils étaient pas là dans la salle de concert. Les live perleurs, et ben bientôt, puisque maintenant j'ai. Oula. Bon, normalement, le premier truc. Ah! Ok. Salut! Comment ça va? Oh la vache. Oh non, ok. Donc là, ça a l'air d'être safe, salut voir. Oh, t'es trop gentil, maman. Oula. Putain, je vais me faire maudire avec ces conneries. Mais comment je fais pour y aller? Mais comment je fais pour l'attaquer avec mes amis? Super. What's the plane? Oula. Ah, donc faut peut-être effectivement que je m'arde dans le coup. Ah, peut-être pas. C'est pas grave parce que j'ai une crêpe au Nutella qui vient d'arriver. Moi, elle m'a fait des crêpes au Nutella. Mais ouais, du coup, ici, sur le côté, on a pris un bureau de 2 mètres. Et donc, j'ai un emplacement prévu pour les perleurs. Ah oui, d'accord. Ok, c'était un boss, c'était prévu, je pouvais pas le buter, d'accord. Du coup, ça m'a envoyé ici. Du coup, mes âmes, je les ai dans le cul. Et la porte est verrouillée. Très bien. Salut, vous allez bien? Eh, hey, salut. J'avais pas vu que vous aviez survécu. Foiré. Ok. On s'éclate. Verrouillé, bien sûr. Ah, d'accord. Du coup, là, je suis censée me téléporter, du coup. Sophie est isolée, évidemment. Du coup, ok, on va chercher par où faut passer, du coup. Ah bon? Comment ça se fait, Nixon? Peut-être des ça qu'il faut faire une attaque sprintée ou un backstab. À tes souhaits. Faudrait que je vois à pas trop me prendre un coup sinon ça va être la mort. Bon. L'avantage c'est que je suis morte pas trop loin du feu donc ça va. Maman.
Mais je confirme, ce boss était joli. Bon, ok. N'essaye pas de me la faire à l'envers. Ok. Alors oui, je vais tout à fait continuer les streams de Gaming Life. D'ailleurs, dimanche, je reprendrai. C'est juste que là, entre le stun, le déménagement et tout le bousin, c'était un peu compliqué. Ok, mais du coup, je fais quoi? Vous êtes très drôles, les gars. Hein? Je sais quoi, je le tue et je lui pique la clé? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est merveilleux. C'est fantastique. Je suis trop forte. Les gens qui s'occupent de ça, des problèmes... Ah ouais. Ouais, mais bon, à ce niveau-là, ce sera peut-être juste reporté, du coup. Non, non, on a plus ce côté gentil, alors. Putain, mais calmez-vous, les gars. Vous vous calmez ou c'est moi qui vais vous calmer, là? Oui, oui, c'est sûr que tu peux rien y faire. Oh, bah au pire, ça se fera. Au pire, ça se fera avec d'autres gens, dans d'autres circonstances, ou juste plus tard. Alors, sur GL, c'est compliqué. Je crois que. Enfin, je suis pas spécialement contre, en fait. Non. On peut avoir des crêpes, nous aussi. Mais quand vous voulez. Venez à la maison, on fera des crêpes. What the fuck? Je ne vais pas manger une crêpe au Nutella, ça m'en fout partout. Bonjour. Ok, alors. On va tenter sa chance en haut. Je sais pas ce qu'il y a. On verra. Oula. Semblerait que quelqu'un de moyennement pas très très content me poursuive, me pourchasse. Putain, mais ils sont plusieurs en plus. Ok, plus que ça. Fort bien. Oh, ça me va. Continuez donc de crever. Si j'arrive à taper la première, c'est bon. Sinon, c'est la mort. Ah, il y en a plus. Ah, bah super. On va aller moins avec ça. Ok. Vous verrez verrouillé, tu m'étonnes. Si je viens ici, c'est bloqué. Quoi encore? Putain, calmez-vous. Super, j'ai déjà plus de vie. C'est cool. Bon, alors du coup, en bas, c'est pas le bon plan. Pourquoi faut-il qu'il y ait des tentacules, Bayonetta? Je me souvenais pas de ça, tiens. Bon, du coup, en bas, pas bon plan. En haut, pas bon plan. Donc, tentons en bas. Bon. Bayonetta, c'est un excellent jeu. Je l'avais acheté. Et finalement, c'est 2080 qui m'a fait jouer, figurez-vous. Incroyable, mais ouais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais
Quoi, ils vont ouvrir la porte? Oui. Oula. Ok, je me suis fait eu. Mais sinon, ça va. Mais j'ai même pas fini l'autre. C'est une au sucre. J'ai une crêpe au sucre. Ça, c'est quand même gentil comme tout. Bon. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais c'était marrant. Bon. Au niveau du missile, oh ouais, bah alors ça. Pff. Mais j'aime bien, c'est que Bayonetta, c'est un jeu qui s'assume, quoi. Bon. Maman. L'IA est plus artificielle qu'elle est intelligente. Salut vous. Vous comptez essayer de me buter, sur, je suppose? Oui, bon. Je peux fermer la porte. Ok, je suppose que je peux la fermer pour éviter que les mobs viennent me bouffer. À vue de nez, je dirais que ça doit être ça le délire. C'est pas grave, je vais manger des crêpes. J'aime bien ça, moi, les crêpes. Ou pas. Ou la moto, exactement. Tout à fait. Bayonetta, c'est cool à tout niveau, c'est tout. Putain, mais je mange vraiment comme une grosse vache. Faut qu'il arrête de m'engraisser. On va finir la crêpe, du coup. Puis comme ça, l'autre, on la mangera quand elle sera froide. Allez, hop. Au boulot. Visiblement, cela est fermé. Les mecs, ils se sont postés là-bas en haut, ils n'en ont plus rien à battre. Bon, ok. Pourquoi pas? Je préfère Bayonetta, même si j'avais invité aux deux histoires. Ouais. Putain, je l'ai loupé. C'est ballot. Mais moi, j'ai pas fait le 2, j'ai fait que le 1, mais j'ai bien kiffé. Clé du cachot. Ok. Très bien. Du coup, je suppose. Mais tout à l'heure il y avait des trucs bleus qui m'ont à moitié buté et là j'ai survécu. J'essaie de remonter, voir si la fameuse porte fermée je peux ouvrir avec ça. Tu veux dire quand on apprend que Bayonetta c'est Peach? Peach, I'm not Peach. Oh, je suis trop forte. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis forte. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure pas des masses. Non, ça va en fait. Ça donne toujours buggé et elle le restera, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment pas... Moi, sur le coup, tu vois, j'ai cru que, genre, les monstres, ils allaient se planquer en haut, justement, parce qu'il y avait les autres monstres qui venaient pour les bouffer, tu vois, et que c'était censé t'indiquer que toi aussi, il faut que tu fuis. Et non. Ah putain, mais il y avait une porte là-bas en haut, en fait. Bon, je sais pas, je verrai ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Qu'est-ce qu'on a de planqué susceptible de nous tuer à tout moment? Non. Je sais pas, ça me paraissait louche, mais en fait non. Salut Saltadro. Salut Christophe aussi, cher Colette. Je sais pas, je vais te faire un petit coucou, je suis bourré complet. Des bisous et remets-toi bien de cette cocasse situation. Ah ouais, ils sont là-bas les trucs bleus en fait. Bon. Est-ce que je peux ramasser des choses ici? J'ai même pas l'impression de pouvoir monter sur ces rouages ensanglantés.
Le son fait que les monstres bleus sortent au début, et si tu meurs, le son s'arrête. Ah. Ok. Ah, donc ils sont invisibles ou c'est quoi l'histoire? Enfin, ils sont sourds. Enfin, ils entendent, mais ils sont aveugles, c'est ça? Quel build fais-tu donc? Alors, j'ai fait un build un peu comme je le sentais venir, on va dire. Qui, du coup, plus dans le délire, je crois que c'est Dex le nom. Donc voilà, j'ai une lame du chaos, c'est tout ce que je sais. Et j'ai une bague des katanas, du coup, depuis le début. Et voilà, on est content. Un build, on est content, ce qui est pas mal, déjà. Pas besoin de boire, mais les crêpes au Nutella. C'est bon, les crêpes au Nutella, j'aime bien ça. Ouf, c'est pas passé loin. Des catastrophes. Des tentacules, ça se prête. Je pense que j'ai quand même bien fait. Ah, petit truc sympa. Humanité. Oh, intéressant. Toujours utile. Relativement. Toute proportion gardée. Hop, il m'en restait une, je crois. Voilà. Merci de mourir. C'est gentil. Oh là là, mais que c'est beau, je vais pouvoir embraser des feux, ce sera fantastique. Ah non. Miroir du sol apaisant, quoi. Sol bénéfique, comment? Verrouillé, va te faire foutre. Ça sortait du cœur. De toute façon, si t'es arrivé ici, c'est que ton build n'est pas trop dégueu et ou que tu sais jouer. Alors, bah, à la base, je sais pas jouer, donc on va supposer que ça vient du build. Non, c'est surtout que j'ai beaucoup d'acharnement. Je crois que je suis à pas loin de 40 ou 50 heures, quand même, de jeu. Build YOLO, voilà, c'est ça. Non, je suis en build... je n'en sais rien, mais les gens m'ont quand même un minimum... Les gens m'ont un minimum... conseillé. Mais juste un minimum, parce que sinon, après, c'est triste. Elle est si grossière ce soir. Ah bon? Je dis ça. Aussi, hein. Alors, est-ce que mon feu était là? Non. Du coup, je vais tenter la fameuse porte que je peux pas ouvrir. Tu veux une follow? Non, fais pas ça. Ah! Oui. Elles sont là, mes âmes? Ah oui, elles sont là, mes âmes. Exact. Je me suis refait Tales of Symphonia 2 cette semaine. Le thème du boss final est toujours autant épique. Ah ouais? Oula. Je sais pas, je crois que j'ai jamais été jusqu'au boss de fin, ça fait partie des rares jeux qui m'ont tellement déçu que je dis non. J'étais très déçu. Bon, je verrai, je suis pas sûre d'avoir assez d'âmes pour... Mais bon. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Oui! Merveilleux! What the fuck, man? Ah ouais. Ok. Ah, je peux aller chercher ça là-bas. Ok. Admettons. Youhou! Ah si, ça passe. En fait, c'est bon. Ok. Âme d'un guerrier courageux. Très bien. Très bien, très bien. Très bien! Cuillère! Cuillère! Alors, tu pourras libérer le magicien plus tard dans la cage qui était fermée. Je crois qu'il n'y est pas. Salut Clint. J'aime beaucoup le système de combat après le scénario. Ouais, le scénario était pas ouf. J'essaye de. Qu'est-ce qu'on a ici? Par où je descends sans me... Par où je descends sans me tuer? C'est ça la question. Tentez ici, on verra bien. Ouf. C'est pas gagné. Mais biqué. Si tu fais de ce don de 200 euros, tu peux demander à Gabi de sélectionner ma run pour le stun de l'an prochain. Alors, eh bien non. Puisque ce n'est pas Gabi qui sélectionne les runs. Enfin,
Ouais, bon, comme prévu. Il donne un avis consultatif, mais globalement, c'est Sefi qui fait le choix des runs. T'as jamais joué à un Tales of? Eh bien, je te conseillerais Symphonia pour commencer. Je pense que c'est quand même un des meilleurs. Non. Du coup. C'est pas grave. Bonjour! Et après, la bagnou. Là, c'est pareil, on y va comme à travers une pelle ici. Je vais pas dire, mais il y en a un ou deux qui viennent de se jeter dans le vide et de se suicider, c'est pas mal. Pourquoi tu proposes quoi pour le Stunfest, Spiper? Oh merde! Bah, d'où tu sors, toi? Comment ça, vous avez réussi à sauter au bon endroit? Faudrait voir, pas trop se foutre de la gueule de Colette quand même. Merci. Qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Quel monde de boulot. Hop, allez. Oh merde, putain. Fouché. Allez, comme prévu, ça va être l'apocalypse de la mort du Dark Souls, voilà. Salut Larry! Je vais juste passer à faire un petit coucou. Eh bien, coucou. J'ai mis ton jeu là-bas. Sur l'étagère. Et tout. Bien joli, bien rangé et tout. C'est vrai. Tout comme il faut. Tout comme ça va bien. Hii, c'est pas par là. Ah si, c'était par là. Ça va alors. Oh! Oula! C'était pas gagné. Mais Mickey! Gnome. Ah, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est pas le truc qu'avait fait. Putain, foutez-moi la paix, les gars. Calmez-vous. C'était pas le truc qu'avait fait. Rimiop, où c'est genre t'arrives, t'ouvres une porte et puis. Putain. Je vais même pas. Bon, c'est pas grave, tant pis pour les âmes. Dimanche, c'est la fin de Mega Man X. Le week-end suivant, je suis Noah Ren pour Renkraft. Et après, ce sera Lost Odyssey. Et il va falloir que je trouve. Ouh, salut vous. Vous allez bien? Il va falloir que je trouve une idée pour un jeu qui suivra après. C'était peut-être pas là. Ça marche aussi en fait. Mais tu vas les manger ta mère, oui ou non? Ok. On est bien. Le world record de Xenoblade a été battu hier. C'est qui? C'est le grand grand Xenoblade? Non? Ouais, voilà, lequel? Parce qu'en soi, si tu me dis le grand grand a battu un world record, je ne serais pas du tout étonné. Bon, on y va comme ça et on verra. Salut! Comment allez-vous? Chers amis. Qui Ouf! Grosse ambiance. C'est un speedgame du 1er avril. Ah oui, je me souviens, ouais. Ils faisaient le jeu normalement, que ça durait 5 minutes, et après ils faisaient le jeu en speedrun. En fait, ils allaient chercher la clé, et puis hop. C'était marrant. On avait bien rigolé. Alors. Si tu voulais bien crever, ce serait très aimable. Merci. Oups. C'était pas l'idée du siècle. Mais moi, j'ai toujours pas fait un seul Xenoblade malgré l'envie. Toujours dispo sur Zone of the Ender 1 si tu veux. C'est pareil, il faut que je le fasse. Mais dans les fêtes, ouais, pourquoi pas faire un jeu console. Ça permet d'alterner un peu avec les jeux muets. Vous avez récupéré 0. Ah non, 4 ans. Ouh, oh, merde. Hop.
Et si je vais essayer et que je descends? On va tenter. voir si on survit un peu mieux. Ceci était une expérience de survie offerte par Colette. Non, mais sinon, alors attends. Sinon, je vais descendre les escaliers. Écoutez, de toute façon, les mecs, ils n'ont pas envie de me attaquer, donc... Ne m'attaquez pas, chers amis. Bon, l'avantage, c'est que vu que j'ai plein d'humanité, je vais potentiellement pouvoir embraser des feux s'il faut. Le grand lui-même a été surpris que ça ait été battu de 1h30. Ah oui, quand même. Mais je sais plus si c'était pas le grand où une fois il s'est retrouvé. Enfin, je l'ai vu faire des streams où il s'est retrouvé avec des splits à. Moins 1 heure ou une connerie comme ça, ou moins 2 heures, je sais plus. Truc assez abusé. Tu joues Shulk à Smash, ça compte. À tes souhaits, Kimlox. Oups, putain, si c'est pour faire ça, c'est vraiment pas la peine. Bon, on verra, au pire, c'est eux qui vont descendre, hein, s'ils me cherchent. Ah bah oui, fantastique. Ah, merde, il y en a déjà un qui était en bas, en fait. Et en plus, il saigne. Ça, c'est cool. Merde, moi aussi, je saigne. Mon petit cœur saigne. Il est déjà reparti? Non. Ah. Mais qu'est-ce que vous racontez de beau, sinon, tous? Y compris lui. Crêpes, c'est bon. J'aime bien ça, les crêpes. Et j'ai un petit chaton qui dort. Tel un petit truc trop mignon. Sur sa petite chaise de bureau toute mignonne. Et du coup, Élu, j'aurais pas pu jouer à PPL contre toi. Je suis trop triste. Pour ça aussi, mon petit cœur, il saigne. Il saigne de plein de tristesse. Oui. Parce que j'ai été vachement triste. Wouhou! Salut! Putain, si c'est pour faire ça, c'était vraiment pas la peine! Descends! Et je cours, je me raccroche à la vie. Alors là, la bonne idée, c'est que je me suis dit, je vais essayer de pas me jeter dans le vide et je vais descendre vraiment avec le, avec l'échelle, comme ça, ça m'évitera de crever comme une grosse merde. Et en fait, il n'en est rien. Putain de merde. Mais allez, vont manger, vos mères. Mais le pire, c'est que je sais que je les ai déjà croisés, ces monstres, et que je les ai battus et tout. Alors, à moins que ce soit les mêmes en version améliorée, ou alors que je sois devenu vraiment nul. Hein. Ouais, on a bien parlé, c'était cool aussi. Ouais. Mais bon, c'est toujours le même problème, quoi. Tu viens au stun, et puis finalement. T'as pas tant de temps que tu le voudrais, quoi. J'ai des problèmes avec mon son qui fait que monter et descendre, c'est relou. Alors, on reprend. On la refait. Salut Ryudo. Non, effectivement, j'y vois rien. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, je crois que j'ai des lanternes quelque part.
Allez, avec un peu de chance, j'ai réussi à en aggro qu'un seul. Allez, bam! Dans ton cul, c'est le cas de le dire, mon gars. Ne t'énerve pas, ça va aller. Oh, l'esquive! T'es pâté, hein? Ok, j'aurais réussi à en buter un. J'ose pas commencer FF14, j'ai peur de me lâcher. Ok, on va essayer les aggro gentiment, un par un. Putain, j'ai vu lui, j'ai cru qu'il était toujours vivant ce con. Mais il descend pas l'autre. Enfin, pourquoi on le cherchait? Pas très sérieux. Elle a mis le haut de taquet de sucre là-dedans. Avec un peu de chance, l'autre il est sympa. Ah oui, c'était ça. En fait, ils ont bien du saignement et du coup, c'est pour ça que j'avais réussi à les buter facilement. Sachant que j'ai pu entendre le rire de Hanouna. Ah ouais. Mais pour moi aussi, je vous rassure. Salut la brosse, comment vas-tu? Ça, c'est bien. Alors, suis-je dans la capacité de tirer un levier? Oui. Ça change. Ah, donc effectivement, il y a eu qui monte. Cool. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, la clé de la porte. Du coup, je suppose que maintenant que j'ai sonné la cloche, tous les mobs sont montés, donc je vais pouvoir ouvrir la porte. Mais la porte est-elle en haut ou en bas? Je ne sais pas. Salut! Ça va? Comment allez-vous? Putain, mais vous voulez pas bouffer les cadavres? Je ferai la place. On va courir. Ça reste à mon plan, je pense. Ouh. Évidemment, j'étais sûre que ça allait m'arriver parce que ça n'arrive qu'à moi. Oui, merde, c'était pas celle-là! La 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 la! Trop tard. Tapis. Ah bah, pour une fois, j'ai pas eu le temps de lire le truc qui a été spoilé. Non, mais c'est vrai qu'en général, voilà, essayez juste de pas m'indiquer les trucs tant que je ne suis pas demandeuse de l'information. Voilà, c'est plus ça l'histoire, quoi. C'est. De ne pas me dire, hé, il y a un feu ici, alors que je ne sais pas, enfin, que je me doute même pas qu'il y en a un, et voilà. Ceci dit, vous avez le droit, on va établir un mot secret. Si jamais vous savez que je m'approche de la fameuse braise, que je suis censée filer au forgeron géant, parce que je sais qu'elle est par là. Enfin, je sais qu'elle est dans cette zone. Mais je sais pas où. Donc si jamais vous voyez que je passe à côté, n'hésitez pas à gueuler. On va trouver un mot secret.
Un mot sympa, l'air de se meurtre. Un mot passe-partout. Nous allons établir un code. Quel mot pourrons-nous chercher comme, en tant que code secret? Ça fait déjà une heure qu'on joue. Il serait donc temps d'avancer.